Crépuscule sur l'Empire. La nuit qui tombe sur Cordicopolis, c'est une vision inoubliable. De mes fenêtres, en terminant ce livre, j'ai sous les yeux tous ces prestiges, les grandes installations illuminées, les paraboles plein ciel, très loin. En face de moi, les montagnes russes, le Grand 8, le train de la peur, toutes les îles magiques aux sucreries. Il ne faudrait pas imaginer que c'est de tout repos d'écrire sur les cordicocrates, à l'ombre des cordicocrates, entre leurs murs, sous leurs regards. Chemin faisant, la gorge se noue rien qu'à penser à leur folklore. Vos mains deviennent moites peu à peu. Ces kilomètres de meilleur des mondes vous font dresser les cheveux sur la tête. Organe par organe, votre corps proteste contre les assauts de bons apôtres qui voudraient le sauver malgré lui. Vous n'avez pas une chance. Pas la moindre. Toutes les issues sont bouclées. Ils ont fermé le village planétaire. Leurs zombies hygiénistes patrouillent partout. Ce n'est pas encore demain la veille que ce nouveau monde tremblera. Aux ruses de la déraison cordicole, le papier de verre d'aucune polémique ne fera la moindre égratignure. Je finis quand même là, dans les ombres, tandis que leur lumière s'estompe. Je ne fais pas de bruit. Je suis bien caché. Hier encore, avant-hier, mes doigts auraient dansé furieusement au-dessus des petits galets métalliques noirs d'un clavier de machine à écrire. Plus avant encore dans le temps, ma plume aurait griffé la page, mon stylo l'aurait zébré. Et aujourd'hui quoi ? Rien. Presque plus rien. On a beau tendre l'oreille, avec les nouvelles techniques douces, l'acte d'écrire lui aussi devient plus silencieux que jamais. Consensuel comme le reste, invisible, flatteur, étouffé, convivial. Comment s'énerver devant un écran ? Rendre fou un système électronique, exalter un traitement de texte, faire piaffer de rage cette grosse machine si caressante, si effaçante. Et pourtant, l'irrespect est bien tentant. Toute cette union sacrée, sucrée, toute cette conspiration des suaves titille en vous quelque chose, réveille sans cesse de vieilles envies. Pourquoi ce monde guignolesque devrait-il être respecté ? D'où viennent ces lettres de noblesse, ces certificats, sa légitimité ? Une société inhabitable où il faut baptiser lieu de vie les endroits les plus atroces, où le passé n'est promené sur les tréteaux que pour mieux nous inciter à mesurer notre chance de n'en avoir pas été les contemporains, où la mémoire est si bien effacée qu'on rêve de la retrouver dans l'eau, où la vieillesse est appelée troisième âge, les exterminations guerre propre et les solitaires aventuriers de la vie à un. Où toutes les tares deviennent des qualités à la façon dont on transforme les entrepôts en galeries d'art, les fabriques en appartements et les piscines en librairies salon de thé avec boiseries en loupe de frêne. Où les eaux, enfin, ont tellement honte d'eux-mêmes qu'ils se réintitulent « conservatoires de gènes » dans l'espoir qu'on va cesser de les traiter de camps de concentration. Non, une telle société, avec de pareils atouts, ne peut pas être complètement dépourvue de bouffonneries à divulguer. L'ordre bourgeois, qui avait sa grandeur cependant, a bien dû subir, pendant 2 siècles, les assauts d'une critique furibonde comme on n'en avait jamais vu. Mais l'univers contemporain, quoique dépourvu du moindre charme, ne l'entend pas de cette oreille. Il nous a rendus complices à mort, tous atteints d'un bien incurable. Un bien qui répand la terreur, bien que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. Il s'estime en droit de revendiquer une dévotion illimitée. Il ne restait qu'une chose, peut-être, encore un peu aristocrate, et c'était la littérature. Je ne suis pas prêt de digérer de la voir ainsi climatisée, nivelée à mort elle aussi, égalisée, brocantée, esclave de la communication, soumise comme le reste aux embellissements cordicoles. Dénicotinisé, aligné, dégoudronné, néopéténistement comme il se doit, acharné à la régénération de l'espèce humaine par les exercices sportifs, la prohibition des produits nocifs pour la santé et la restauration des grands mythes collectifs. Les avant-gardes de la première moitié de ce siècle ne laissent peut-être pas un souvenir éblouissant, mais c'est à suffoquer de voir quels pygmées, quels androïdes analphabètes à la vertu crétinisante campent maintenant sous les lambris conquis comme les clochards de Viridiana. Cordicopolis s'est offert les écrivains qu'il méritait. Auteur de synthèse,
romancier de substitution, vidéologue industriel, poète du troisième type, pur produit de manipulation génético-éditoriale destiné à correspondre aux nouveaux standards imposés par le programme, et qui n'aurait jamais pu voir le jour si ce programme n'existait pas. Mieux adaptés que ceux d'autrefois aux conditions de survie en milieu spectaculaire, ils sont chargés de se battre dans le monde du spectacle avec les armes du spectacle, et le temps de leur existence est indexé sur celui de leurs prestations. Elle est dans un état, la littérature, sur les écrans de Corticopolis, qui permet de prophétiser l'effacement assez rapide de ces dernières velléités. Elle n'existe presque plus. Telle est la vérité brutale. On en retrouve parfois le souvenir, comme on repêche un mot dans sa mémoire, comme on voit remonter un visage, un paysage, une sensation. Et puis c'est tout. Et c'est fini. Le roman n'est plus un art majeur, même pas une distraction mineure. C'est un exercice disparu. Ceux qui savent encore un peu écrire ne font que de l'archéologie. La plupart des livres se sont mis avec allégresse au régime basse calorie. Leurs auteurs ne vont sûrement pas commencer à ironiser sur tout ce dont leur survie dépend. Ils savent bien qu'ils n'ont même plus la solution d'être la mauvaise conscience des criminels. Ils ne vont pas raconter aux organisateurs du sabbat comment tout se métamorphose en sabbat, même pas en sabbat, en SOP, en sitcom, et puis en SOP. En SOP populaire. Ils ne vont pas jouer au diable, dédoubler les scénettes des événements, ouvrir des coulisses derrière les coulisses, essayer d'inventer des leurres supérieurs aux leurres dominants. Ils sont bien trop impressionnés. Ce n'est pas demain la veille qu'ils oseront traiter comme il faudrait les corticocrates et leurs basses œuvres. Surtout pas de fresques réalistes, toujours des sujets exotiques, les décors d'autres époques, les pharaons, le Moyen-Âge, la Louisiane, Paris sous l'occupation. Une société aussi idéale que la nôtre, aussi réussie, ensoleillée, ne saurait tolérer la moindre description critique. On ne verra pas avant longtemps un nouveau Balzac refaisant ses illusions perdues, décortiquant le microcosme et ses intrigues, révélant les dessous du monde. Et puis il y a l'opinion. La grosse machine obèse mongoloïde de la télé-opinion à affronter. Un véritable magma de ligue en folie. Le plus énorme meeting jamais vu des persécuteurs polyvalents, redresseurs de tous les torts, surveilleurs de tous les écarts, repéreurs de tous les blasphèmes, sondeurs de toutes les intentions, enregistreurs de mots de travers contre le respect de la famille, la dévotion, la patrie, l'adoration de Dieu et des enfants, la solidarité, n'importe quoi. Mieux vaut donc se censurer d'avance, bien tenir ses histoires à carreau. Quant aux présentateurs des missions culturelles, ce sont les médecins sans frontières de la grande misère de l'écrit. Mais on ne peut guère attendre des écrivains qu'ils aient un jour la sagesse de ces peuples misérables d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine, qui, après des décennies d'aide, ravagés, dépossédés, clochardisés, humiliés, plus affamés encore qu'avant, chassés pour leur bien des pâturages traditionnels envahis de barrages électriques ou transformés en cultures de rapport entourées de barbelés, ne veulent plus être aidés. Jamais. Supplient qu'on leur foute la paix, enfin, qu'on ne s'occupe plus du tout d'eux, qu'on arrête de les assister. Les écrivains en redemandent au contraire. Plus disciplinés, mieux dressés, il est difficile d'imaginer. Si ceux du passé défilaient, si on revoyait sur les plateaux Shakespeare, Diderot, Virgile, Pascal, est-ce que ce serait un tel cortège, le même musée d'anomalies, la même cohorte d'handicapés qu'on n'a même pas envie d'aider? Vous imaginez le marquis de Sade, pour ne prendre que cet exemple tout à l'extrême du génie, Sade dans nos sirupeuses années de retour à la tendresse, Sade réapparu en notre fin de siècle, en pleine réconciliation des familles? Vous l'imaginez un seul instant présentant aux téléspectateurs ses 120 journées de Sodome? On le traiterait comme un vivisecteur. Tous les standards exploseraient. 200 ans plus tard, le même cirque. C'est à coup de sondages péremptoires qu'on l'exécuterait en direct, qu'on lui montrerait ses erreurs, qu'on lui ferait honte de ses écrits. Le 1 laminé par le multiple, les sondages contre Sodome. S'il y en a eu tellement ces dernières années, c'est qu'il était devenu nécessaire de recréer, après les supposés dégâts de la supposée libération des mœurs, une communauté viable, donc non sexuelle, enfin, le moins sexuelle possible. La conspiration sondocratique rabaisse merveilleusement les caquets. Un Français sur trois adore le sexe à la télé, mais de préférence éducatif,
tournée vers la recherche de solutions aux problèmes sexuels plutôt que vers la pornographie. De vrais petits saints, des enfants de cœur. Seulement 14% réclament davantage de porno. Et 84%, oui, vous avez bien lu, 84% préfèrent sans hésitation vivre avec quelqu'un de peu séduisant mais à la fidélité assurée, plutôt qu'avec quelqu'un de très séduisant mais qui serait parfois infidèle. À force d'enquête d'opinion, ce qui a été restauré, c'est la fierté des non-baisants, l'éminente dignité des inaptes, le droit des non-jouissants à ne pas jouir. Ils ne vont plus se laisser bafouer. J'aimerais le voir aujourd'hui, le marquis de Sade, devant ces chiffres éloquents. Mais où vous vous croyez, monsieur le marquis? Dans les années 60, les 70? Ah, mais dites donc, mais on baise plus. Mais c'est fini, c'est démodé. Et puis en plus, c'est dangereux. Retour à la famille, à la fidélité. Je me demande s'il ne regretterait pas très vite l'Église, la monarchie, la présidente, tous ces ennemis commodes d'autrefois qui avaient le bon goût, au moins, de se mettre dans leur tort chaque fois qu'ils le persécutaient. 30 ans de prison, mais la victoire. Il verrait aujourd'hui à Cordicopolis si elle se laisse couvrir comme ça de ridicule, la grande voix du rien collectif. Si l'audimat absolu vous autorise seulement l'espoir d'une revanche à titre posthume. Mais ma supposition ne tient pas. Il ne parviendrait jamais jusqu'aux planches. On le neutraliserait bien avant. Il y a tant de filtres cordicoles, tant de barrages fémisants, tant de postes de douane édulcoreurs. Un tête-à-tête prophylactique, par exemple, avec son attaché de presse, au cours duquel il serait tenu de justifier les distractions de Châtelain de Seeing, pourrait commencer à le refroidir. Le mini-tribunal des représentants, devant qui il serait confié à défendre son point de vue, lui ouvrirait des horizons. Et vous le voyez signant son service de presse, choisissant une illustration pour la jaquette des 120 journées, discutant avec les commerciaux, rédigeant sa quatrième de couverture, la quatrième de couverture des 120 journées. Notre société médiatique n'est pas du tout, comme on le prétend, la forme moderne et achevée du divertissement. C'est la figure ultime de la censure préventivement imposée. À Cordicopolis, la littérature n'est plus tolérable que comme espèce en danger. Les animateurs culturels à qui on décerne des prix pour leur action en faveur du livre sont les mères Teresa du grand Calcutta de l'imprimé. Presque rien ne peut plus monter jusqu'au public qui ne soit poitrinaire, poétique, misérabiliste, souffreteux. Seules les plaies vives triomphent encore. Il faut au moins être agonisant, avoir cavalé sous des bombes, être resté 10 ans au fond d'une prison de Malaisie pour avoir une chance d'être aperçu. Les best-sellers croulent de gentillesse. Ce ne sont que récits de chercheurs d'or, petits garçons et petites filles qui portent sur le monde pourri des adultes un regard lavé de toute complaisance. L'exotisme, les aventures lointaines, l'histoire romancée, les confessions réécrites, voilà quelques-unes des variétés que l'on retrouve aux étalages. Il y a plus d'un bureau de charité dans le grand bazar philanthrope. La plupart du temps, quand même, c'est l'esthétique Poulbeau qui domine. Poulbeau ou Poulbot, en cajun, en pidgin, en espéranto, ce que vous voudrez. Mais touchant, passionné, tendre, passionné surtout. Comme le parti jadis, la passion a toujours raison. Elle décroche tous les prix de vertu. Et ces flots de biographies qui n'arrêtent plus, de plus en plus fouillés, raffinés, toujours plus au fond du détail, toujours plus loin dans les âmes. Sur des grands, sur des moins grands, sur des petits, des presque oubliés, des semi-inconnus redéterrés. Mes préférées, bien entendu, celles que je trouve les plus croquantes, sont celles qu'on a le plus romancées. La conviction désormais enracinée que tout le monde équivaut à tout le monde, que tout le monde s'est toujours ressemblé, conduit n'importe qui à se croire en droit de prêter sa propre psychologie à des génies infracturables. Sous le prétexte de faire vivant, on s'introduit dans le personnage, on s'installe dans la peau de Shakespeare, on dit « je » à la place de Cézanne, on pense à travers la tête de Cervantes, on s'agite au bout des doigts qui tiennent le pinceau de Modigliani ou le ciseau de Michel-Ange. « J'admire, dit le cardinal de Retz, l'insolence de ces gens de néant en tous sens qui, s'imaginant d'avoir pénétré dans tous les replis des cœurs de ceux qui ont eu le plus de part dans ces affaires, n'ont laissé aucun événement dont ils n'aient prétendu avoir développé l'origine et la suite. »
Bien sûr, ces ouvrages aux normes européennes, tous ces romans à très basse calorie, tous ces livres composés selon les techniques les plus douces, les méthodes les moins polluantes, sont à peu près à la littérature ce qu'une voix de speakerine d'aéroport est à celle d'une vraie femme en train de jouir, ou une fellation par minitel à une vraie bouche engloutisseuse. Mais qui oserait le révéler? On est tellement dégoûté, écrivait vers 1660 l'abbé d'Aubignac à propos de certains romanciers enjoliveurs de son époque, de leur imagination si peu convenable à la conduite de notre vie, qu'ils font souhaiter de voir la peinture d'un méchant homme. Sympathique. Inappréciable répugnance qu'on ne risque plus guère de rencontrer désormais à Cordicopolis. Dans notre pays des merveilles, le bien a non seulement recouvert le mal, mais plus encore, il interdit que celui-ci soit écrit, c'est-à-dire ressenti ou vu. Orwell ne s'est trompé que de peu. Seules les couleurs dramatiques de sa prophétie lui ont fait rater la cible. Le film catastrophe de l'avenir allait être rose pastel, voilà ce qu'il n'a pas deviné. Mais sa novlangue, qui rend littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer, est en train, elle, de s'imposer. À Cordicopolis, ce qui a l'air vivant est mort. Ce qui est vivant est refoulé. J'adore depuis longtemps Giacometti, mais bien davantage encore depuis que j'ai pu le surprendre, un jour de l'été 1924, en train de griffonner sur un carnet cette litanie scandaleuse de pensées non alignables. Je sais que je sympathise avec l'Église, avec le despotisme religieux. J'ai raison ou tort? Je crois avoir raison, mais je n'en ai pas la certitude. J'ai de l'antipathie pour la philosophie, pour la liberté de penser, pour la liberté d'action, la liberté d'écrire des livres, de faire des tableaux et d'exprimer des idées personnelles. Je hais la liberté de croyance ou de non-croyance et la République. Je hais l'émancipation de l'individualisme et celle des femmes. Je ne peux plus entendre tous les bavardages qu'on fait, que tous font sur toutes les choses, sur l'art, sur l'histoire, sur la philosophie, où chacun croit pouvoir exprimer la misérable idée qu'il s'est faite dans son cerveau. Pourquoi est-ce que l'Église ne brûle plus, ne torture, ne tue plus tous ceux qui osent penser ce qui leur plaît? Combien de procès dans ces lignes? Et pourtant, voilà sans doute l'une des origines mentales clandestines de ces statues despotiquement réduites. Tête écrasée ou élongée, corps miraculeusement sauvé d'un bûcher plus puissant, plus furieux, mille fois plus haineux que ceux du passé. Mais la nuit maintenant est tombée. Le tour du parc est terminé. Mon livre aussi. Tout est fini. Nous avons fait un beau voyage. Sur l'horizon, là-bas, très loin, leurs installations illuminées, leurs grandes ferrailles, leurs paraboles, les trains de la peur, les îles magiques, occupent l'espace et les ténèbres. Et plus au-dessus encore, tout en haut, flambant sur le noir absolu, rose bonbon, tout palpitant, visible de partout sur la planète, l'énorme cœur en résine synthétique, l'emblème de l'âge nouveau d'amour. Comment dites-vous? Le pamphlet à Cordicopolis serait devenu un genre impossible? Et si c'était le contraire exactement? Si tout grand livre désormais, si tout récit de mœurs bien senti, tout roman un peu énergique, devait de plus en plus virer, comme fatalement, même sans le vouloir, au pamphlet le plus véhément? Car l'avenir de cette société est de ne plus pouvoir rien engendrer que des opposants, ou bien des muets.